C'est la bonne direction, ce sont des personnes compétentes sur le plan technique, c'est une occasion unique de réformer l'économie italienne et de sortir le pays de la crise. Les commentaires en Italie sur la formation du gouvernement Monti sont très positifs. Mais pour le président de l'Institut italien de la statistique, le gouvernement Monti doit bien communiquer sur ses actions. Les Italiens sont rompus au sacrifice. Nous l'avons fait pour la préparation à l'euro, nous l'avons fait dans d'autres occasions. Mais l'expérience montre que les Italiens sont prêts à payer le prix quand ils comprennent ce qu'est l'objectif, ce qu'est la cible à atteindre. Donc il est très important que Mario Monti et les responsables des groupes politiques soient capables d'expliquer à quoi vont servir les réformes. L'objectif du gouvernement Monti, c'est bien sûr la réduction de l'énorme dette cumulée italienne qui représente 120% du produit intérieur brut, soit 1 900 milliards d'euros.